Bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC, on est actuellement avec Michael. Nous sommes dans la Rapid GT numéro 3 customisée à fond. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pas pour un test vérification ou une information. On va essayer de se détendre un petit peu. Nous allons essayer de découvrir de nouvelles choses. Ça fait un petit moment que j'aimais bien vous faire des vidéos comme ça. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, que vous en voulez d'autres, bah faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. C'est des vidéos présentation de choses assez belles créées par les modders, donc des maps, des villas, des maisons, des voitures, etc. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et du coup on va commencer avec un petit jeu que je vais vous lancer. Vous allez tout simplement devoir deviner où est-ce que je suis actuellement. Vous voyez bien que la carte a été modifiée à 100% à cet endroit là. Donc vous voyez bien qu'il y a des arbres de partout. Enfin bref, c'est du gros n'importe quoi. Mais c'est vraiment super beau, c'est vraiment magnifique. Du coup dans l'espace commentaire, je vous invite à me dire plus ou moins où est-ce que je me situe. Si je me situe au centre-ville, au nord, à l'ouest, au sud, à l'est. Enfin bref, au milieu de la map, vous me dites à peu près à votre avis où est-ce que je suis. Si vous connaissez le nom de la route, si vous voyez un petit peu près la route, si vous pouviez dire si je suis sur quelle route, etc. Et voilà. Le lien du mode sera bien évidemment dans la description pour ceux qui seraient intéressés. Et franchement, le mode est magnifique. Alors, c'est un mode qui rajoute exactement 2785 arbres à la map, si je dis pas de bêtises. 2785 arbres, ça fait quand même un beau petit paquet d'arbres, regardez-moi ça. Franchement, c'est juste magnifique. On n'a pas l'impression de voir GTA 5. On reconnaît même pas du tout GTA 5 tellement il y a d'arbres. Puisque Rockstar n'en a pas rajouté autant. Regardez-moi un petit peu tous les arbres qu'il y a. Franchement, c'est super beau. Moi, du moins, j'adore. On va se balader un petit peu dans cette forêt qui a été créée par un modder. Et peut-être que vous allez découvrir où est-ce qu'on se situe. Même si vous l'avez sûrement déjà découvert à partir de maintenant. Mais si on regarde bien l'endroit où on est. Si on ne savait pas, on n'arriverait même pas à reconnaître GTA 5 de cette manière-là. Regardez-moi un petit peu comment c'est fait. Regardez-moi comment c'est super joli avec les arbres et tout. Bon, bref, j'aurais peut-être pas dû passer par là. Allez, Roman, s'il te plaît, la bagnole. Allez, regardez-moi ça. Oh là là, c'est trop trop beau, j'adore. On pourrait faire de la chasse à l'intérieur si Rockstar décidait de mettre de la chasse en sorte de mini-jeu sur GTA Online. Ça pourrait vraiment être sympa, regardez avec les sangliers. Enfin du moins moi je suis sur le solo, donc du coup il y a les animaux. Et ça fait vraiment trop réaliste avec tous ces arbres, les animaux qu'il y a et tout. Et là, là honnêtement, osez me dire qu'on est dans GTA 5 là. Impossible que vous puissiez reconnaître exactement l'endroit où on est si je vous montre directement cette image là. C'est quasiment impossible de trouver l'endroit où est-ce qu'on est. Vous pouvez trouver approximativement, mais l'univers et le décor a tellement changé que ça devient vraiment très très beau. Vous me donnerez une petite note de ce mode dans l'espace commentaire. Et voilà. Alors là, il y a le tunnel du mont Chiliade. Le petit tunnel qui passe sous le mont Chiliade. Donc vous savez très bien où est-ce qu'on est maintenant. On est un petit peu au nord de la carte, etc. Il y a tous ces arbres qui ont été rajoutés. Il y en a encore plein, il y en a même plein de l'autre côté. On va même aller de l'autre côté, vous allez voir. Même à un endroit, je suis sûr, vous n'allez pas le reconnaître si on se met directement à l'intérieur. C'est l'endroit où il y a le canyon en fait. Où il y a le canyon, il y a la petite rivière qui passe et franchement c'est trop trop beau. Attendez, on va y aller en mode menu, ça ira peut-être un peu plus vite. Regardez-moi avec tous ces arbres et tout, c'est juste magnifique, j'adore. J'adore de ouf. Regardez, on va se mettre ici. Normalement, il n'y a pas autant d'arbres. Hein. Il n'y a pas autant d'arbres. Et même avec les modes graphiques que je viens de m'installer, parce que les modes sont de retour, ça fait vraiment super bien, ça fait super beau. Regardez tous les arbres qui ont été rajoutés. C'est dommage que Rockstar ne sont pas trop penchés la question au niveau de la nature, de rajouter des choses qui peuvent sembler assez basiques, comme on pourrait dire. Mais c'est des choses qui font que les choses peuvent être bien. Par exemple, regardez tous ces arbres qui ont été rajoutés. Ça pourrait vraiment donner un petit style à GTA Online, à cette partie de la carte. Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais avec les avions et tout, ça serait un petit peu le bordel. Bon, c'est vrai. Mais bon, c'est des choses qui sont sympas et qui donnent vraiment envie d'aller à ces endroits-là. Parce que ici, c'est un petit peu le désert. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Et ça donne pas forcément trop envie d'y aller. Alors que là, avec tous les arbres qu'il y a et tout, franchement, j'adore. Comme par exemple aussi, il y a des abonnés qui me disent, ouais, Rockstar devrait rajouter les clignotants, etc. pour que ça fasse un petit peu plus réaliste. Ouais, c'est vrai, ils devraient le rajouter. Sauf que malheureusement, à mon avis, ils vont pas le faire. Enfin, du moins, pas pour l'instant. Et je pense même que c'est pas prévu, même si la communauté le demande, je pense pas qu'ils veulent qu'on rajoute parce que on a, dans tous les cas on ne réalise jamais, on fait jamais les vraies personnes, enfin on joue jamais RP.
sur GTA Online, à part sur des serveurs privés, etc. Mais bon, on n'a pas forcément besoin de clignotants. Et bah voilà quoi. Je trouve ça vraiment magnifique avec ces arbres et tout. Même cet endroit-là, il est vraiment très très beau. Normalement, il n'y a rien autour. Et là, avec le lac, avec tous les arbres qui ont été rajoutés et tout, franchement, c'est juste super beau. Enfin, du moins, moi j'adore. De toute manière, je veux dire à chaque fois la même chose. Je vous montre un petit peu les images et tout de ce que ça donne. Dites-moi si vous voulez que Rockstar ajoute ça. Et dans tous les cas, à mon avis, ils le feront pas. Mais ça pourrait quand même être une bonne suggestion à leur faire part, vu que les modeurs arrivent à en faire. Et du coup, voilà. Comme je vous l'ai dit, vous mettez une petite note dans l'espace commentaire de ce mod, ce que vous en pensez et tout. Et si vous voulez que je vous fasse d'autres modes de présentation comme ça, faites-le moi savoir. On va juste se laisser sur un dernier truc parce que là, on a fait plus ou moins le tour de ce que je devais vous montrer. On va monter au mont Chiliad et on va regarder un petit peu ce que ça donne vu du mont Chiliad. Et vous allez voir que c'est super impressionnant parce que oui, je me suis déjà. J'ai déjà été au mont Chiliad pour regarder ce que ça donnait parce que je pouvais pas m'empêcher tellement c'est beau. Et franchement, j'adore regarder déjà un petit peu la vue qu'on a. Et les arbres, ça continue vraiment jusqu'au bout. Bon, j'ai pas été jusqu'au bout parce que sinon, c'est un petit peu répétitif. C'est un petit peu tout le temps la même chose. Enfin, du moins, il y a des arbres, quoi. Vous avez à peu près compris le principe. Et voilà, quoi. Alors, nous voilà, regardez un petit peu l'étendue des arbres que Rockstar, que le modeur a mis. Regardez, ça fait une sorte de vraie forêt. Une vraie forêt vraiment magnifique. Une vraie forêt qui entoure vraiment tout, jusqu'au lac, jusqu'à l'autoroute du Nord, jusqu'à la petite ville qui est en bas. Et franchement, c'est super joli. On pourrait faire de la chasse à l'intérieur, même au niveau du train quand il passe. Enfin bref, c'est super joli quand le train il passe. Même au niveau du canyon qu'il y a là-bas, franchement, je trouve ça très très joli. J'ai pas été dans l'autre partie qui est là-bas, mais bon, vous avez à peu près compris le principe. De toute manière, c'est des arbres qui ont été rajoutés. Et du coup, voilà. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. J'espère en tout cas que cette petite vidéo de présentation vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si vous voulez d'autres choses comme ça, bah faites-le moi savoir aussi, comme j'arrête pas de vous le répéter depuis le début. Il y a peut-être des vidéos de villas, de maisons, de maps et des véhicules qui vont peut-être arriver, histoire de changer un petit peu des tests et tout. Peut-être que ça va vous plaire, peut-être que ça va pas vous plaire, mais moi ça me plaira, donc je continuerai à le faire. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Virtuose, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde!